Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 29. Psaume chapitre 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 29. Nous lisons la parole de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement.
L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Amen. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi. Je voulais trouver celui qui me donnerait la paix. J'ai trouvé Jésus, je rencontrais mon roi. J'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Dans mon voyage ici-bas, les épreuves sont survenues. Et ma voix s'est élevée vers toi, mon divin sauveur. Tu m'as sauvé. Sois rendu notre Père et notre Dieu. Tu nous as trouvés et nous t'avons trouvé, mon roi. Nous sommes dans le repos et nous sommes heureux de pouvoir réellement vivre dans ce monde en étant rassurés, Seigneur. Tu es notre assurance, tu es notre paix, tu es notre délivrance. Tu es réellement tout pour nous, mon bien-aimé Seigneur. Merci parce que nous avons cette assurance que nos lendemains sont vraiment assurés. Et nous avons la certitude de pouvoir traverser même les océans, même les mers, mon bien-aimé Père Dieu, parce que tu vis, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom encore aujourd'hui. Merci vraiment pour ce moment béni par ta présence glorieuse, mon roi, au milieu de ton peuple, mon roi. Nous t'avons senti et nous avons réalisé, Père Saint, que tu es vraiment vivant, Père. Merci encore pour tous les témoignages que nous avons pu entendre, mon Père, de merveilles que tu as accomplies encore dans la vie de nos frères et sœurs, mon bien-aimé Père Dieu, que tu sois vraiment béni. Cela nous démontre que tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as réellement délivré, mon bien-aimé Père Tissant. Oh, tu as aussi sanctifié, mon roi, et tu as permis que ce matin, nous puissions être ensemble ici, en cet endroit, Père, pour que nous puissions être en communion avec toi, aussi avec les anges, les autres bien-aimés Père Saint-Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers ton trône de grâce. Tu es merveilleux, comme nous l'avons entendu encore dans les psaumes, encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, la voix l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. Tu es Dieu, mon roi, bien-aimé Père Tissant. Tu fais m'enfanter les biches, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Nous avons confiance en toi, Père. Nous rassemblons parce que nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous chantons les chants de Sion parce que nous savons que tu écoutes nos chansons, bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore, Père Saint, pour le cœur qui a été touché au travers des chants et des cantiques, mon roi. Parce que c'est toi qui prépare le cœur, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon roi. Merci encore pour la délivrance et la guérison d'Ama aussi, à cause de la grâce, voir y accès, mon sauveur. Merci encore pour ce temps et le moment, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs partout où ils se trouvent encore aujourd'hui, bien-aimé, qui soient aussi gardés par toi, protégés par ta main puissante, mon roi. Oh Dieu, souvenant de chacun d'eux, mon bien-aimé Père Saint, parce qu'ils sont dans le besoin, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. Ce matin, tu vois aussi le besoin sous les cœurs de chacun de nos pères. Oh Dieu, tu es le Dieu qui sait lire le cœur. Oh, que c'est encore exaucer les prières, bien-aimé Père Tissant, et donner à chacun c'est le désir de son cœur, mon roi. Nous avons besoin de voir notre Dieu dans notre vie, Seigneur, et agir encore puissamment, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour les psaumes, les chants, les cantiques, bien-aimé Père Saint. Que ton nom soit béni, exalté, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, combien il est doux et agréable pour que les frères et sœurs se retrouvent ensemble pour pouvoir glorifier Dieu et louer le Dieu qui les a accordé la grâce d'être ce qu'ils sont aujourd'hui.
Nous le remercions de ce qu'il nous a aussi donné notre aujourd'hui. Et nous devons être aussi certains que nous vivons aussi dans notre aujourd'hui et que comme il a eu à pouvoir aussi agir dans l'heure aujourd'hui, il n'a pas changé, il agira aussi dans notre aujourd'hui. Et le Seigneur bénisse chacun de vous tous, tous ceux qui êtes venus de loin comme de près. Et c'est vrai, c'est une grâce pour nous de pouvoir recevoir nos frères et sœurs, que le Seigneur accorde la grâce qu'ils puissent traverser des continents, enfin des villes, des pays, des fleuves, des mers, ainsi de suite, et pour pouvoir arriver à faire que nous puissions vraiment avoir cette communion autour de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère Abed, je crois qu'il doit être là ce matin. Notre précieux frère aussi, Philippe, avec toute sa famille, je pense qu'ils sont arrivés aussi parmi nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous avons la joie de pouvoir également aussi avoir déjà reçu nos frères qui sont venus avant. Je pense notre frère Enoch et notre frère qui aime bien chanter aussi. Hein. Comment notre frère Nathan. Que le Seigneur le bénisse richement. Notre sœur Esther aussi avec toute sa famille. Nous le recevons aussi. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il fait pour son amour et sa bonté et sa grâce à notre endroit. Je crois que le Seigneur, notre Dieu, est toujours fidèle à sa parole et réellement aussi à ses promesses à notre endroit. J'ai cru entendre aussi la joie de notre frère aussi pour le bébé qui est venu au monde. Nous nous réjouissons tous de cela parce que je crois que nous avons tous prié pour que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et qu'il puisse également accorder la grâce que notre sœur puisse aussi à mettre au monde. Que chacun de vous soit béni. Amen. Et se sente aussi à l'aise, effectivement, aussi dans la maison de notre Seigneur. C'est les lieux que nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, afin de pouvoir aussi élever nos voix vers le Seigneur, notre Dieu, et lui implorer aussi la grâce de pouvoir nous aider à pouvoir les servir comme lui, il le veut. Nous avons ce désir dans notre cœur de pouvoir réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc appelés. Et nous savons que cet appel a retenti et que chacun de nous, nous avons pu avoir cette grâce et ce privilège de la part du Seigneur de pouvoir être touché par le Seigneur et être réellement aussi transporté par lui pour que nous puissions réaliser que c'est vraiment la main de Dieu. Parce que dans cet âge où nous vivons, les gens étaient tellement allés loin, ils avaient tellement placé leur confiance dans la science, placé leur confiance dans la psychologie, dans beaucoup de choses. Et les ténèbres s'étaient apaisanties, effectivement. Et vous savez, les choses qui concernaient Dieu étaient reléguées tellement dans le passé, comme ils pouvaient le répéter si souvent en disant que les temps des miracles sont donc passés. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, il est toujours le Dieu du présent. C'est pour ça que quand même les hommes abandonnent, les hommes vont à gauche et à droite, il demeure toujours. C'est lui qui conduit et à sa place, effectivement. Nous le trouvons toujours à sa place. Il ne pourra jamais changer. Nous le remercions vraiment pour sa fidélité et aussi pour son autorité dans toutes les circonstances parce que il a la puissance de contrôler tous les événements présents et même à venir et même dans le futur. Il contrôle toutes choses. C'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir être appelé à pouvoir marcher avec lui. Nous avons aussi cette grâce de réaliser que tous ceux qui ont eu à pouvoir choisir de marcher avec lui ont eu à pouvoir réellement aussi voir leur finalité tout à fait glorieuse par rapport aux autres, effectivement, qui sont restés en arrière pour pouvoir prendre plaisir. Nous pensons à Moïse ainsi qu'à Pharaon, effectivement. Et quand Moïse a regardé, effectivement, aussi le peuple duquel il était aussi issu, effectivement, par rapport à la place qu'il avait, effectivement, d'être un futur Pharaon, un prince d'Égypte, effectivement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a regardé ces saletés-là, ce rejet-là, cet opprobre-là, comme étant plus grande que la richesse même de l'Égypte.
Nous voyons que tous ces hommes et les femmes qui, dans les temps passés, ont eu à pouvoir vraiment faire ce choix de pouvoir vraiment marcher avec lui, même étant au milieu de mépris, de rejet, de tout cela, nous voyons qu'ils avaient vraiment raison. Alors nous avons un privilège, nous. Vous savez, eux, ils avaient commencé, ils ne voyaient pas en fait les choses comme nous le voyons aujourd'hui. Et c'était des personnes qui vivaient sous des tentes et qui avaient l'espérance. Effectivement, vous savez, ils s'accrochaient simplement à quelque chose qui était tellement important pour eux, évidemment. Comme nous l'avons pu l'entendre, je pense, c'était jeudi. Et vous remarquerez très bien que ces hommes avaient tellement confiance simplement dans ce que ces dieux-là pouvaient leur dire. Vous voyez, c'est quand même impressionnant. Et ces hommes mouraient hein, et dans la foi avec cette espérance que ces dieux-là, ils vont l'accomplir. Ce n'est pas qu'ils se disaient que c'est probable, non, c'était une certitude. Ah oui. Mais ils étaient dans l'ancienne alliance, cela. Mais ils allaient effectivement, ils avançaient même dans des moments le plus difficiles, ils avaient quelque chose. Ils n'avaient pas encore vu la chose, mais ils avaient déjà ce que Dieu leur avait dit. Et ils s'accrochaient à ce que Dieu leur avait dit, comme si la chose était déjà là. Alléluia! Et nous, mon frère et ma soeur, nous prenons l'exemple, par exemple, vous pouvez dire, mais parce qu'on ne comprend rien, mais prenons l'exemple de cet homme Job. Qui descendit dans le bas-fond, effectivement, où il pouvait se trouver. Oh, frères et sœurs, nous serons sévèrement jugés. Amen. Aussi vrai que vous pouvez entendre cette voix ici. Oui, c'est la vérité. Vous pouvez dire, c'est vrai, même si vous ne croyez pas, mais c'est 100% vrai. Mm-hmm. Parce que Job, dans son temps, effectivement, comment il était, effectivement, il était dans un moment tellement difficile, mais il était tellement confiant parce que depuis, il avait confiance en son Dieu. Mais regardez, lorsqu'il descendit dans le bas-fond, dans le moment le plus hastement, comme si Dieu n'était toujours pas autour de lui, qu'il n'était pas là, comme si Dieu l'avait donc abandonné, alors que Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est le principe de Dieu. Hein? Jamais il n'abandonnera. C'est lui qui s'accroche à lui. Il vaut mieux se confier dans l'Éternel que de se confier dans les hommes. Quand on dit les hommes, c'est y compris nous-mêmes aussi. On dit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel, notre Dieu. Et là, nous comprenons qu'effectivement, que cet homme qui avait vraiment pleine confiance en l'Éternel, on nous montre même, Dieu du ciel, notre Dieu, quand il aime l'homme, il manifeste aussi son amour. Et il ne veut pas non plus que cet homme-là ne puisse pas être aussi vu, parce que quand tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, que tu vis ce que Dieu veut sur la terre, Dieu se sent heureux, il veut qu'on le voie au travers de toi. C'est l'objectif de Dieu, qu'on puisse voir Dieu au travers de toi. C'est cela, en fait, ce que Dieu a toujours eu à pouvoir chercher. Non, c'est pour ça que quand il regardait effectivement Job sur la terre et on pouvait voir Dieu au travers, ça fait que Job, quand on voyait Dieu au travers de Job, on voyait Dieu en fait. On voyait les actes et les œuvres d'un fils, de quelqu'un qui croit réellement en ce Dieu, effectivement, qui a fait les cieux et la terre et qui a ce principe, effectivement. On le voyait parce que, et tous les jours, c'est comme cela qu'il était. Vous connaissez comment il était avec ses enfants. Peu importe, effectivement, tout ce qu'il pouvait avoir comme bien, son cœur n'était pas là-dedans, dans les biens matériels qu'il pouvait avoir. Et vous savez, c'est vrai que ce n'est pas une histoire qu'on raconte, effectivement, pour vous faire quelque chose. Non, mais c'est la vérité, parce que, souvenez-vous, lorsque le diable a dit, mais touche à tout ce bien, tu verras qu'il va te maudire en face. Job a dit une chose, je crois que c'était donc à sa femme, je pense, il me dit, mais je suis venu nu dans ce monde. Si déjà un homme peut avoir une telle pensée, ce n'est pas le même jour, mais il en avait déjà. Ah bien sûr, mon frère. Il savait que quand il est venu, il n'avait pas emporté les chameaux, les moutons, les maisons, tout ça. Il est venu nu du sein de sa mère, effectivement. Il n'avait rien emporté. Il savait, il a compris, quand je vais partir aussi. Donc, je ne vais pas emporter toutes ces choses ici. Effectivement, il faut que je trouve quelque chose de très important. Lequel je dois... Oh oui, frère et soeur. La foi... Elle n'est pas différente. On peut dire que leur foi était différente. Non, la foi est toujours la foi. Alléluia. Que Amen. Dieu te bénisse, Lise. Oui, la foi est toujours la foi. Elle a toujours la même vision. Alléluia. Depuis les débuts, en fait. Amen.
Donc la même vision que Job avait, c'est la même que nous aussi, nous devons avoir aussi. C'est vrai, on peut dire, la foi de Job, non, c'est la même. La même. C'est cette foi-là, comme elle était de Dieu, elle a la même vision de Dieu. Donc elle a maintenu effectivement dans cela. Donc si tu l'as, aujourd'hui encore, oui, tu la manifesteras, mon frère, parce qu'il n'y a pas deux fois, il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Nous devons être conscients que Dieu est vraiment un Dieu qui est toujours conséquent. Quand il a dit, il reste exactement comme ça. Il ne peut pas changer, monsieur. Gloire au Seigneur. Et voilà que dans cet état dans lequel il pouvait réellement, même en vivant, entourer, il n'était pas impressionné par les choses qui étaient autour de lui, en fait. C'est ça que Dieu veut de nous aussi. Un détachement total. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être totalement détaché et désintéressé des choses qui l'entourent. C'est toujours, a toujours été un piège pour nous, en fait, piège pour notre âme. Alors si tu arrives à ces stades-là, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Et Job l'y était, en fait. Parce que c'est là que Satan sait nous avoir facilement. Il sait que ses âmes, ils sont toujours charnels. C'est pour ça que nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons toujours avoir des pensées pures. Nous l'avons entendu, non? Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est... C'est cela, mon frère et ma soeur. On ne peut pas être des vases vaines de Satan dans lesquels il peut... Non, nous devons être des vases purs, donc vases d'honneur pour le Seigneur. À l'intérieur, toujours Dieu. Travaillant, agissant. Alors, vous voyez que Job, effectivement, dans ce qu'il était, comment il était, il pouvait être... comme tout le monde, effectivement, mais il avait une différence, c'était sa façon de pouvoir regarder les choses qui l'entouraient. Voyez-vous que dans le livre des Proverbes, je crois au chapitre 9, je te 8, il dit, moi la sagesse, j'écris à tout le coin. Il dit, stupide, apprenez les discernements. Insensé, apprenez l'intelligence. Moi, la sagesse, je possède. Vous savez, je crois que quand nous pouvons avoir quand même la sagesse, nous allons savoir comment marcher. Parce que nous allons savoir effectivement comment même apprécier les choses que nous avons et même utiliser ce que nous avons. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela pour ne pas marcher comme des fous. Ah, que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'il y a une différence entre les vierges sages, hein, et les vierges... Voilà. Donc nous sommes appelés à être du côté des vierges... Toujours sage, effectivement. Ils ne font pas dans la précipitation. Ils stoppent d'abord. Seigneur, est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, montre-moi. Oui, c'est. Il nous apprend, effectivement. Et c'est à nous, en fait. Parce que si la sagesse, Dieu l'a manifestée, c'est pas pour les folles, les fous, hein. Non. C'est pour le nous. Alléluia! Oui. C'est ce que l'Écriture le dit aussi. Hein. Si quelqu'un veut la sagesse, il la demande, qu'il prie et qu'il croit sincèrement, Dieu va lui donner. Donc c'est pour toi. Alléluia. Pas pour les gens de la rue. Non. Pour toi. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est pour toi. Donc nous devons être conscients, savoir effectivement qu'est-ce que nous voulons demander au Seigneur. Alors c'est pour ça que cet homme ici, effectivement, Job, Dieu l'observait, Dieu le regardait, comment il allait réellement. Parce que avant que Dieu fasse passer la personne à l'épreuve, il observe d'abord la personne. Il ne voudra jamais te perdre, non. Vous savez, ça c'est une chose que vous devez être certain. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, que Dieu, notre Seigneur, ne voudra jamais te perdre. Ah non. C'est pour ça que peu importe la taille de l'épreuve par laquelle tu vas passer, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu vas voir que tu commences un peu commencer à ne pas bien tenir, il vient. Observez, frères et sœurs. C'est sûr et certain. Oui, il est tellement sensible. Il vous observe. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas, il vient. Il est comme ça, notre Dieu. Il est toujours présent, monsieur. Jamais absent, mais toujours présent. À tes côtés, mon frère. Il te l'a dit, je ne t'abandonnerai point. Oui, monsieur. Peu importe les dettes, il ne t'abandonnera pas. Il pourvoira, c'est la vérité, mon frère. Alléluia. Il ne peut pas t'abandonner. Moi, je peux t'abandonner, mais lui, non. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est pour ça, comme ils ont dit, il est le même, j'ai dit alléluia. S'il n'a pas abandonné Job, il ne m'abandonnera pas non plus. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame.
Tu es tellement précieux aux yeux du Seigneur. C'est pour ça que le diable s'acharne contre toi. Il est jaloux. Oui, ma soeur, c'est vrai. Tu es précieux. Et à cause de toi, il y a la pluie. À cause de toi, il y a la mer. À cause de toi, il y a le soleil. À cause de toi, il y a la nourriture. Parce que tu es sur la terre. Alors le monde est heureux à cause de toi. Combien tu es important. Ce n'est pas une histoire. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est cela, la grâce que Dieu nous accorde, nous, de réaliser réellement. Parfois, le diable veut nous flouter dans l'esprit. Oh, vous ne valez rien aussi. Mais c'est parce que nous sommes là que les gens peuvent respirer. Oui. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. On va parler des courbages, je sais pas moi, tous les virus. Ne vous inquiétez de rien. Vous soyez sans crainte. Marchez tranquillement. Oui, frère. Non. Marchez tranquillement. Nous avons un Dieu. Il t'a déjà dit ce qu'il va faire pour toi. Quand la contagion frappe en plein midi, il est là. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Alléluia. Mais c'est ça, mon frère et ma soeur. Nous avons les paroles rassurantes pour nous. C'est comme les cantiques disent, sur le chemin va sans peur. Vous connaissez cela, non? Alors nous devons simplement marcher. On sort, on va faire ce qu'il y a à pouvoir faire. Gloire au Seigneur. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous devons obéir à ce que Dieu a dit. C'est tout ce que nous avons comme besoin. Oui, ils peuvent prendre des décisions. Ce n'est pas mon premier problème. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu me dit, viens mon fils, j'avance. Ah oui, vous savez, comme Pierre dans la barque, il l'a regardé. Il dit, mais c'était un fantôme ou quoi? Non. Je suis le même qui marchait sur terre avec vous. Maintenant, je marche sur l'eau. Est-ce que c'est vraiment toi? Alors, si tu le veux, tu veux que je vienne? Il dit, mais je veux bien, viens. Là où les hommes ne peuvent pas marcher, toi tu peux. Les hommes, toi tu peux. Tu es un fils de Dieu. Viens. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la mère va t'obéir. Mais c'est vrai, frère. La nature reconnaît. Et pour ça, on dit que la nature entière, elle soupire, elle gémit. Pourquoi? Pour la manifestation, on attend la manifestation de toi, de toi, de toi, de toi, de nous, de fils de Dieu. Oui, monsieur. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous nous préparons pour atteindre que nous puissions être à ce stade-là. Pour ça, nous savons que nous sommes maintenant les maîtres. Comme il a dit, tu domineras. Bien sûr, c'est parce que, sœur, vous pouvez me regarder. Dieu l'a dit aussi à toi, sœur. Alléluia. C'est écrit. On ne peut pas changer la Bible, c'est écrit. Dieu créa l'homme et il dit, il a fait quoi? Et il, au pluriel, hein, les bénit. Et il a dit, allez et dominez. On n'a pas dit l'homme domine la terre seulement. Non, l'homme est... Comment ne pas louer Dieu? Il n'oublie personne, en fait. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre, en fait. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui est parfait. Son regard, depuis les débuts, n'a jamais changé. Ah oui, c'est vraiment extraordinairement merveilleux. Il est doux et tendre, et il est aussi patient à notre endroit. Alors nous revenons à Job. Nous voyons que cet homme était vraiment quelqu'un qui aimait Dieu, pas parce qu'il avait la peur, mais il trouvait que c'était vrai. Oui, c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir nous parler, pour pouvoir nous ramener à cette compréhension des choses, effectivement. Parce que je crois que c'est dans la Bible. Dans les livres des Éphésiens, au chapitre 2, je pense, verset 18, vous allez comprendre. Il dit ceci, vous n'êtes plus des étrangers. Parce qu'un étranger, il n'a pas le droit. Vous êtes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison des dieux, en fait. Nous devons réaliser ce que
nous sommes et surtout ce que Dieu notre Seigneur veut vraiment atteindre. Parce que la Bible ne peut pas parler des élus simplement pour que cette appellation-là soit là, élu, simplement pour faire joli peut-être dans les paroles qu'on doit citer d'une certaine manière. Non. S'il y a élu et élection, c'est que c'est quand même un peuple tout à fait approprié et par lequel, effectivement, Dieu veut faire quelque chose de tout à fait particulier. Il ne le fera pas avec tout le monde, mais il le fera avec la sélection. Mais si toi, tu es dans la sélection, alors sois sûr et certain de ceci, que tu entends cela, c'est que la plénitude va avoir lieu en toi. Amen. Je le répète encore bien clairement, j'ai dit, si tu fais partie de cette sélection, de ce qu'on appelle des élus, alors la plénitude, amen, la plénitude, pas un tout petit peu, non, mais on parle bien de la plénitude. Oui, monsieur, je le répète encore, la plénitude va donc aussi déverser aussi en toi. Parce que si, c'est quand même assez extraordinaire. Non, nous reviendrons dans Jean. Quand même assez extraordinaire, frères et sœurs, afin que vous compreniez pourquoi il nous est nécessaire de rendre un service à Dieu avec autant d'amour, autant de respect, autant, frères et sœurs, il n'y a plus de place pour les désordres, pour le manque de respect, pour... Non, frère, non. Non, on peut plus, c'est plus possible de supplier quelqu'un. Oui, dans les dénominations, oui, chez les catholiques, chez les protestants, j'en sais rien où ils peuvent aller. Mais là où se trouve Dieu, il n'y a pas de supplication. Il y a simplement l'amour, il y a simplement l'obéissance, il y a simplement le respect, la consécration, parce qu'on prend plaisir à la chose. Pourquoi est-ce que nous prenons plaisir? Parce que nous avons réalisé que la chose nous appartient. Et si cela a été fait, si c'est pour nous. Vous savez, frère et soeur, mais Aaron, il savait qu'il était souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas ne pas vouloir cet homme parce que cet office-là a été fait pour lui. C'est pour ça qu'on dit, selon l'ordre d'Aaron. Donc Aaron était là, cet office-là, c'est pour lui. Donc il ne peut pas se sentir mal à l'aise. Alléluia! Il se sent pleinement dedans! Parce que cela a été taillé pour lui! Amen. Toi, tu n'es pas étranger! Aux choses de Dieu! Tu es un fils, tu es une fille de Dieu! Nous devons, c'est vrai. Je prie que le Seigneur puisse vraiment ouvrir effectivement le cœur, les pensées, l'esprit, pour que vous sortiez en fait de cet emprisonnement où le diable vous met en fait dans un état d'esprit que c'est comme si c'est, là, ce qu'on dit des choses, c'est historiquement dans le passé, ça appartient à Josué, ça appartient à aux autres effectivement, à Pierre et à Jean. Mon frère et ma soeur, que Dieu soit béni. Ce que Pierre et Jean ont fait, aujourd'hui encore nous pouvons le faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pour quelle raison? Parce que nous sommes dans le même temps. Amen. Bien sûr, monsieur. Et nous l'avons entendu, la Bible nous fait savoir que il est au milieu de cette chandelier d'or et il marche. Donc Jésus-Christ est toujours le même, mon frère. C'est lui qui a marché avec Pierre et avec Jean. Il marche aussi aujourd'hui avec nous. Le problème, c'est nous qui devons monter pour le rejoindre là où il est. Comme Pierre et Jean étaient. Oui, frère. La puissance n'a pas changé. L'autorité n'a pas changé. Parce que, on nous l'a bien dit, c'est la foi, pas en moi, mais en son nom. Mais son nom est le même aujourd'hui encore. Alléluia. Donc si c'est important là, à placer sa foi en son nom, et la confiance en lui, alléluia, son nom va aussi agir aussi en toi. Gloire au Seigneur Jésus. Puisque Jésus, notre Dieu, ne change pas. Jésus ne changeait pas. On l'a chanté. Oh, au nom est attaché une personne. Gloire au Seigneur. Bien sûr. Ils l'ont dit. Je n'ai ni or ni argent. Je n'en ai pas. Ah, ce que moi j'ai. Qu'est-ce qu'il possède? Et c'est ça la question, sœur, que toi tu dois te poser.
Je suis là assise, mais qu'est-ce que je possède? Ce que il a dit, c'était un homme comme toi et moi, frère. Nous avons la grâce d'entendre aussi la parole de Dieu comme eux aussi. Oui, mon cher, oui, c'est vrai. Parce que j'ai dit qui c'est le Saint-Esprit. Bien sûr. Amen. On ne peut pas les dissocier, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je souffre de douleur à l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Amen. Maintenant, vous comprenez. Quand il s'est crié, il dit, mais Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous l'avons en nous, c'est terminé. Frères et sœurs, qu'est-ce que Satan... Vous savez, je vais vous dire une petite chose, je crois que c'était vers ce matin, j'ai dormi. J'ai vu une expérience extraordinaire. J'ai dormi et puis, je me suis vu à un endroit, et voilà que... C'était particulier. Et quand je regardais, je voyais le ciel qui était devant, enfin, voilà, le fond comme ça, là-bas. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui, les gens étaient en train de pouvoir, de ce côté, en train de pouvoir marcher. Bon, moi j'étais en train d'avancer. Puis j'ai vu les gens commencer à pouvoir avoir peur. C'est quoi? Et je vois du côté du ciel des oiseaux tellement noirs. Mais en fait, c'était ces oiseaux, c'était comme s'ils obéissaient à quelque chose de mauvais qui allait effectivement. Et qu'ils étaient en fait ordonnés, envoyés en fait pour pouvoir commencer à pouvoir maintenant agir, attaquer les gens. Alors ils sortaient d'abord un groupe comme ça, comme c'était, je pense, un petit groupe comme ça qui sortait. Et puis ce petit groupe, effectivement, c'est que derrière, il y avait encore un autre groupe. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois le ciel tout noir, mais avec une puissance démoniaque qui venait. Et les gens commençaient à voir parce qu'ils regardaient. Et je regardais. Bon, j'étais à ce niveau-là, puis il y avait un niveau un peu plus élevé. Et je me suis monté, je me suis tenu au-dessus, en fait. Et puis, j'étais debout et je regardais cette masse. Les autres étaient ici en bas, je regardais cette masse-là. Qui... Oui, c'est la vérité. Cette masse qui venait, mais on sentait la pression, la puissance diabolique qui venait. Donc ça venait tout noir, donc ça amenait là, en fait, sur les ténèbres, effectivement. Et tous les hommes étaient, on voyait, les gens commençaient à voir être projetés là-bas. Et je me suis dit, debout, je regardais, Dieu m'est témoin. Je regarde comme ça, je vois. Alors ça venait tellement fort. Et tout d'un coup, on s'est dit comme si cette masse-là s'est formée comme un grand taureau, comme ça, avec des cornes, mais venant avec colère. Je me suis redressé, j'ai dit stop! Amen. Je criais, et puis tout d'un coup, j'ai dit aux gens, soyez sans crainte! Amen. Donc j'étais dans la nuit, en train de parler, soyez sans crainte! Alors, et puis j'ai dit, cette masse-là qui venait, j'ai dit stop, effectivement. Mais regardez une chose. Alors, la masse, il commençait à. Enfin, quand j'ai dit stop, effectivement, voyez, il faisait pour avancer, mais il n'avançait pas. Mais tout était tout noir. Et puis, quelques temps après, j'ai dit, mon Dieu, mais si c'est noir, ça va donc attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que les choses soient bien? Ah, j'ai dit, mais dans la parole de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit. Frère, j'étais là debout. Alors, j'ai dit, maintenant, je me suis dit, en pensant, j'ai dit, bon, quand je vais dire cela, la chose, j'ai crié, que la lumière soit. Amen. Regardez très bien. Je m'y attendais que directement, que, ouf, une grande lumière sort. Non, tu es grand. Amen. Et je regardais, c'est dans le fond là-bas, c'est-à-dire que ça c'était le noir, et dans le fond, une lumière qui a commencé petit à petit à venir, à venir, à venir, et puis elle grandit effectivement, et les ténèbres ont disparu. Amen. J'ai dit, Seigneur, parfois nous on s'attend que la chose soit comme ça, et quand on dit la chose doit se passer comme ça, mais tu sais ce que tu fais. On doit simplement dire et te laisser faire. Eh bien oui. Ce qui veut dire que nous avons un privilège en tant que fils de Dieu, frère et sœur, de pouvoir savoir que le Seigneur, oui, les combats, oui, nous les aurons. Les attaques de l'ennemi, les diables se déchaînent d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous raconte, ne fût-ce que le moins de ce que moi je vis, que je vois quand même, je dors. Mais c'est la vérité, frère. Ce que je vous dis, on ne se tient pas ici comme on sait ce qui sait que ça veut dire se tenir en cet endroit. Frères et sœurs, les jours où nous serons de l'autre côté, vous vous souviendrez, si nous avons la possibilité de nous souvenir, vous vous rappellerez que chaque fois que ce monsieur-là était là, nous disait des choses, et ces choses qu'on prenait banalement, frères et sœurs, je vais entre parenthèses, mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, vous qui écoutez quand même, je sais que la parole va de loin.
Vous qui écoutez quand même, essayez simplement de pouvoir ne fût-ce que quand même réfléchir en certain moment. Ayant quand même la connaissance de ces dieux, ayant eu quand même à pouvoir quand même voir ce que les saintes écritures nous démontrent en rapport avec et ce que Dieu aussi a eu à pouvoir faire dans ce temps. Nous vivons, frères et sœurs, pensez-vous quand même que on peut se donner les droits de pouvoir, bon, c'est vrai que les autres personnes peuvent le faire, donner le droit de pouvoir se tenir et prévaloir de pouvoir se dire que nous allons vous apporter la parole de Dieu, simplement parce que nous avons eu à pouvoir peut-être imaginer des choses d'une certaine manière ou d'une autre. Les autres peut-être. Et moi je me tiens ici, Bible ici ouverte devant moi. Je ne demande pas que les gens puissent me croire, ce n'est pas mon problème. Mais la grâce que moi j'ai trouvée aux yeux du Seigneur, c'est pour ça que je m'y accroche et je lui implore la grâce de m'y tenir. C'est comme cela qu'il m'a aussi taillé en fait aussi. Et c'est ça le problème, que parfois je pense que bon, il est comme ça, mais je suis comme ça, comme ce que Dieu a fait. Je ne suis pas là pour faire mon théorie, c'est un cours pour revenir à Job. C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, réalisez une chose. Si on peut se tenir ici et prêcher, dire qu'on va lire les Saintes Écritures, qu'on est conduit par le Seigneur, ce que Dieu nous a déjà pris, placé à un niveau, ou une position telle que il peut déjà nous montrer certaines choses. Je ne viens pas souvent ici pour dire des choses que j'expérimente, ou même quand cela, je ne les dis pas plus souvent, parce que, vous savez, à force de pouvoir entendre, les gens vont commencer à se penser, il fait ça pour que nous ayons voir qu'on veut. Je n'ai pas besoin. Mais nous avons des expériences extraordinairement puissantes. On vit, on vit. Je ne vous l'ai dit pas ici. Dieu que je sers, mes témoins, en fait. Aussi. Et d'ailleurs, les gens qui sont à l'étranger, Dieu leur a collé. Hier, c'était hier, un pasteur m'a écrit pour me dire qu'il était chez lui là-bas dans son pays. Il a eu, va vouloir faire une sorte de sieste. Et Dieu s'est révélé à lui en rapport avec mon ministère. Oui, 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 oui. Alors il me dit, mais pasteur, ce que j'ai eu à pouvoir voir, il m'a décrit, il est aussi pasteur. Il m'a décrit effectivement, et puis je crois que vous devez le connaître, parce que bon, son témoignage avait été donné une fois, mais vous ne l'avez pas écouté, je pense que c'est cela. Et mes frères ici, quand je suis revenu, bon, il va peut-être vous rappeler ça dans le tome, c'est pas pour que bon. Alors il dit, quand j'ai vu cela, et puis le Seigneur me dit, à propos de ton ministère, il dit, c'est le temps où mon esprit va agir encore davantage. Ah, oui, 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 c'est important. Je ne pensais même pas vous dire, mais c'est maintenant que je vais vous dire. Oui, c'est hier qu'il a eu à pouvoir, effectivement, aussi m'envoyer ce message et pouvoir me dire, effectivement, il dit, d'abord, il dit, c'était tellement puissant, il dit, est-ce que je peux te raconter cela? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème si le Seigneur te montre, effectivement. Bref, c'est pour simplement dire qu'ici, et nous ne sommes pas en train de pouvoir chercher à vous faire plaisir, mais nous vous apportons la parole que Dieu nous donne. Amen. Et si nous nous tenons effectivement dans une position comme ça, c'est parce que Dieu nous a déjà montré, levé dans une position. Que ce soit même quand vous vous dormez et quand nous prions, on nous montre combien Satan... Oui, c'est vrai, frère. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un jeu, c'est un combat dans lesquels nous y sommes tous les jours. Vous dormez bien, vous mangez les patates et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne réalisez pas le combat. Combien le diable est en train de pouvoir faire son travail. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah, bon, bref, bon. Nous revenons à Job. Bon, c'est un autre parenthèse. Nous revenons à Job. Mais c'est pour que, par exemple, les gens qui écoutent la parole, qui disent, oh, ce monsieur, il ne connaît absolument rien. Non, la grâce que Dieu m'a accordée, c'est aussi m'enseigner. Je le répète encore ici, et oui, si, il m'enseigne des choses, il m'apprend ça. Quand j'ai fait des erreurs là, il me montre, c'est pas comme ça. C'est pour ça que quand la parole est apportée, je vous regarde. Sœurs, frères, je vous regarde pour voir comment vous recevez la parole. Et à ce moment-là, on sait sentir que ça, c'est un fils de Dieu. C'est là, c'est une fille de Dieu. Et la réaction qu'il a, on sent qu'effectivement, que, parce que je sais bien qu'en certain moment, vous ne réalisez pas, mais ça change. Je ne vous ai pas dit de voir observer. Mais moi, je le sais. Moi, je le sais. Vous ne le savez pas. Mais je le sais, moi.
Je ne sais pas pourquoi je vous le dis aujourd'hui, mais enfin, mais ben, moi je le sais ça. Et quand on est un enfant de Dieu, chez vous aussi à l'intérieur, vous réalisez que quelque chose s'est passé. Alors le respect, la crainte. À ce moment-là, vous sentez qu'en vous quelque chose est ouvert et la parole ne fait qu'entrer. Ne fait qu'entrer parce qu'il a pris place. Ah oui, il faut avoir cela pour réaliser que vraiment il est là. Parce qu'il est impossible que lui soit là, que tu ne le sentes pas, parce que tu es un fils. Amen, amen, c'est vrai. Voilà pourquoi quand on dit que tous les prédicateurs, la plupart de ceux-là, ce qu'ils font, ce sont des comédies. On le sait, parce qu'on peut s'asseoir et les écouter. Dieu ne peut pas m'envoyer prêcher sa parole sans quand même qu'il ait passé quelque chose. Que quand la chose sort, ça va si c'est Dieu ou pas. Frère, bon, c'est bien par la grâce du Seigneur que oui, il fait des bruits pendant plein ça, là-bas, on écoute. Mais vous serez tellement. Ah, je sais bien. Parce que vous avez dit la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole en fait. C'est autre chose qui l'homme donne en fait, mais qui donnerait un peu. Bref, bon, alors, nous, voilà donc Job, comme les saintes écrits de le monde. Ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que. Malgré ce qu'il entourait autour de lui, sa foi et sa confiance étaient toujours dans les dieux. Ces dieux-là n'étaient pas un dieu visible, mais un dieu. Alors pour Job, c'était comme s'il le voyait. C'est ça, la foi, quand elle est en toi, tu ne réfléchis plus en fait. Vous avez remarqué que dans son discours, lorsque l'épreuve est venue, Dieu n'était pas loin. Il ne voulait pas perdre Job, jamais. Job ne le savait pas. Mais Satan voulait qu'il soit perdu. Alors Dieu regarde Satan et dit, touche jusqu'à ce point, mais pas là. Frère, soyez certain de ce Dieu en qui vous avez placé confiance. Il ne vous abandonnera jamais. Même si ça devient pire, toi reste à toi accroché à là. Il n'a jamais failli. N'oubliez jamais la mer rouge, mon frère et ma soeur. Même quand tu es dans l'épreuve, ne pas dire, mais ces jours-là, ils étaient devant la mer rouge. Il n'y avait pas d'espérance. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'issue. Seigneur Jésus, aujourd'hui, la même chose. Mais quand ils sont arrivés là, tu avais déjà tracé un chemin. Alléluia. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas les perdre, mon frère. Oh, il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, mon frère. Il vous tiendra. Et comme c'est cantique que nous prédonnons, je pense. Hein. Même si les océans, c'est des chaînes, je les traversais avec toi. Vous entendez ça? Vous entendez cela? Mais tu as fait la promesse. Hein? Si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. Et la flamme te consumera. Vous vous souvenez, non? Ésaïe 43. Je t'appelle par ton nom parce que tu es. Vous avez les paroles qu'il vous a données pour que même dans les moments difficiles, vous vous souvenez de cela. Et quand vous pouvez le relire encore, vous allez dire, mais Seigneur, mais de qui aurais-je peur? Amen. Sûr et certain. Et voilà que Job commençait à pouvoir descendre. Là, il se lève, il dit, oui, tellement l'épreuve, la douleur était profonde. Alors, il se voyait effectivement aussi en train de pouvoir s'en aller. Alors, il commençait à pouvoir dire, maudit soit les jours où mal est né, où je suis né, où sont, on a dit à ma mère. Vous connaissez cela, non? Aïe, 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 ça c'est quand on est dans une douleur, c'est humain. Or, le jour où Dieu t'a donné les jours, c'est quand même le bon jour. Dieu ne s'est pas trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Que Dieu... Oh, pourquoi je suis né? Ça nous arrive, hein? Pourquoi je suis né, je souffre comme ça? Mais oui, en fait, il a voulu que tu sois né. Il ne s'est pas trompé de toi. Non. Il nous le rappelle, mais avant même que tu connaissais ta mère, je te connaissais. Tous les jours de ta vie étaient inscrits. Donc il n'a pas oublié. Donc il savait très bien que tu devais être là. Ne dis pas maudit les jours, je suis non. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ainsi m'a accordé la grâce de naître et de les connaître sur la terre des hommes. Oui.
C'est cela. Alors, dans la douleur, l'homme, ça c'est Job 14. Hein. Il dit, vous savez, l'arbre contre la coupe. Et là, de l'espérance, parce que la racine étant dans la terre, il y aura de nouvelles pousses. Et puis, ce qui est animé. Mais quand tu regardes l'homme, lorsque l'homme meurt, il s'en va. Et... Oui, Job 14, vous voulez lire à la maison. Il n'y a plus d'espérance. Et Dieu l'observait. Vous voyez, quand on arrive à ce point-là, alors on commence à faiblir. Quand tu commences à dire, mais alors, il n'y a plus d'espérance. Effectivement, quand pour l'arbre, il y a l'espérance, mais pour l'homme, il n'y a rien. Comme nous le disons, quand le Seigneur voit que dans ton épreuve, tu commences à... Ah oui, à ce moment-là, il vient pour te relever. Alors l'homme était tellement dans cet état-là où il voyait que bon, je vais partir, évidemment, il n'y a rien. Bon, évidemment, l'arbre, au moins, l'espérance est moi, il y en a-t-il où c'est? Il n'y en a pas. À ce moment-là que le Seigneur vient. Amen. Il dit, Job, oui, Job. Il dit, mais tu as parlé en disant que l'arbre a de l'espérance. Même quand il est coupé, effectivement, il y a une racine. Alléluia. Mais c'est parce qu'il y a une racine qu'il va y avoir une pousse. Oh, Dieu t'a donné la foi. Il doit être ancré quelque part. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui est la parole? Dieu est la parole. Alors si tu as la foi, je vais te montrer ce que la parole fait. Amen. Tu as des racines. Il faut qu'ils soient ancrés. Bien sûr, monsieur. Vous direz, mes frères, c'est vrai. Oui, on nous dit qu'il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. L'homme, hein, comparé à un arbre, hein, planté plein d'un courant d'eau. Eh oui, monsieur. Alors, quand Dieu dit, mais Dieu est bon, il va te saisir à un moment où le gens dit, mais c'est fini pour lui. Non! Dieu n'a pas terminé avec toi. Alléluia. Quand tout le monde pense que tu n'es plus, c'est à ce moment-là que Dieu vient. Alléluia. N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur, ma soeur. Certainement, ton Dieu est vivant. C'est comme ça qu'il vient vers Job. Quand Dieu a montré à Job, il dit, mais Job, je vais te montrer où tes racines sont enracinées. C'est pourquoi l'homme a été secoué. On voyait qu'il pleurait tout d'un coup. Il se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a enfoncé. Il y a une bouée qui l'a poussé au-dessus. Il se relève, mais avec assurance. Il dit que mes parents sont équipés avec un burin gravé dans le roc. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais, mon rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Même si ma chair était détruite, les racines sont attachées à lui. Oh, mon frère et ma soeur, nous avons une espérance. Gloire à Dieu. Job, il est mort avec cette espérance-là, que son rédempteur, il est vivant. Ses racines sont attachées là. Alléluia. Un jour, son rédempteur s'est tenu là. Il était là à la croix de Golgotha. Le diable dit, je l'ai achevé. Alléluia. Job, là-bas en dessous, il dit, je l'attends. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus est le plus fort. Jésus est le plus merveilleux. Jésus est le plus glorieux. Alléluia. Jésus est ton bonheur. Jésus est ta délivrance. Jésus est ta joie, mon frère. Oui, mon frère et ma soeur, il est notre vie. C'est pour ça qu'il est écrit, lève-toi et sois éclairé. Les autres ont les ténèbres, mais pas toi. Les autres ont peur, mais pas toi. Ta lumière est là. Si ta lumière est là, tu m'as de la lumière. Merci.
Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne tremblez pas. Je sais que le monde tremble. Et il ajoute en disant, le juste ne crée pas nos mauvaises nouvelles. Qu'on dise qu'il y a les variants Varta, variants Delta, variants je ne sais pas Japon, variants c'est le Mogoï. On n'a pas de problème. Les variants peuvent varier. Nous n'avons pas de problème. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Ils varieront toujours. Mais nous, nous restons fermes dans la foi en celui qui a déjà vécu, qui a guéri. Alléluia. Lève-nous, frère. Même si les océans sont de chaînes, je suis